L'avenir de, de l'architecture s'est assuré. Oh. Et donc, il restera dans le temple. Et le jour qu'il n'y a plus l'homme, il n'y a plus l'habitat. C'est donc un élément naturel. 아주 최정하의 랑데부입니다 오늘은 제가 정말 아주 유명하신 분을 함께 하는데요. 네, 세계적인 건축의 거장. 마리오 보타 건축가님과 함께 합니다. 네. 얼마 전에 그 한국 이미지 증금자리상을 수상하셨잖아요. 그래서 특별 인터뷰를 지금 하겠는데요. 작가님께서는 그 남양 성모 성지 대성당을 시작을 2011년에 하시고요. 지금 10년이 넘는 동안 설계 과정에서 정말 많은 신경을 쓰셨을 텐데요. 특히 어떤 부분에 가장 많은 신경을 쓰셨는지, 또, 있다면, donc, uh, c'est une opération en, en devenir. Mm -hmm. Et donc, la réflexion préliminaire, c'est importante, puisque aussi Père Lee, mm -hmm. avec ses collaborateurs, il devait définir uh, le thème que... Aussi lui, il ne connaissait pas au départ. Et donc, c'était un processus en progrès, en continu, pour essayer de comprendre quelles étaient les raisons du fond. Euh, là, il y avait eu un euh, une drame dans, dans le siècle passé avec euh, de, beaucoup de, de morts. Et donc, il devait, sur ce territoire, euh, indiquer un euh, programme d'espoir. Mm -hmm. Et à la fin, il, euh, on a concordé ensemble, à père Lee, qu'on devait faire, à, à côté des éléments additionnaires de contour, mm -hmm. euh, une euh, force, un bâtiment qui qui est capable de réunir les forces de la, du bas de la vallée et les conclure au sommet où il y a le bâtiment. Mm -hmm. Donc c'était une opération euh, mentale, mm -hmm. mais aussi une opération physique, oui. puisque à la fin on a défini, une limite, un confin, une limite bien définie sur euh, que l'Église il devait aboutir mm -hmm. à un élément final comme euh, site de réflexion, de pensée, de critique aussi, mais euh, euh, libre sur les, les besoins de, de l'esprit. Donc c'était une réflexion préliminaire mm -hmm. qui n'est pas passée sans, pas passé sans laisser un, un signal très fort. Mm -hmm. Et maintenant, c'est une réalité. Mm -hmm. euh, J'ai vu récemment les gens qui se bougent et en plus, il est en train d'avoir une croissance cet élément avec des autres euh, éléments de service euh, autour de la de la basi basilique mm -hmm. puisqu'il deviendra une basilique euh, qui est très important donc dans la la, la, la vallée il va se réaliser une parc mm -hmm. euh, urbaine euh, de l'esprit vous pouvez nous dire aussi quelles sont les caractéristiques uniques pour cet édifice de Namyang. Donc on a utilisé un Namyang, mmh. on a utilisé les briques. Les briques oui. Et les briques, c'est de la terre mmh. euh, et du feu. Oui. Et il fait la céramique, il fait les, les, bri, les briques mmh. de, de construction. Mmh. C'est donc un élément naturel, oui, naturel. Euh, qui, qui on a utilisé pour souligner mmh. euh, la, la, que la construction, il n'est pas quelque chose d'extrêmement... De, euh, extrême, euh, te technologique, mm -hmm. mais c'est une euh, construction comme il, est, il existait déjà dans le passé. Donc la brique qui retourne à bâtir la maison de l'homme et dans ce cas-là la maison du Dieu mm -hmm. aussi, mm -hmm. <laughs> et dans, euh, avec les significations mm -hmm. euh, de ce qui comporte une église. Et donc euh, la brique, il a joué un rôle important. Mm -hmm. et il est devenu, euh, euh, s'est se tra transformé en deux tours mm -hmm. qui deviennent de 50 mètres d'auteur, qui deviennent un signal mm -hmm. avec les cloches au milieu, mm -hmm. qui donnent aussi une euh, sonorité mm -hmm. euh, à, pour euh, le parc en bas et pour l'entière le, euh, vallée. Ouais. 보타 건축가님께서는요, 그 강남 교보타워도 그렇고 리움 미술관도 그렇고 남양 성모 성지 대성당도 그렇고 모두 그 벽돌하고 아니면은 벽돌 비슷한 타일을 사용하시는데요. 평소 건축에 있어서 그 벽돌 재질을 많이 사랑하시는 걸로 알고 있는데 어떻게 특별히 애정하시는 이유가 있는지 말씀해주실까요? No, j'ai pas un attachement m o r b e J'ai un attachement à Euh, sentimentale, uh -huh. mais aussi un attachement, puisque la brique, c'est encore un des matériaux de construction plus économiques, mm -hmm. très peu œuvre en ouais. soi-même, puisqu'on prend la terre et on va à la cuivre mm -hmm. à, à, à un certain degré pour ouais. euh, donner une consistance, mais il est une, euh, pas un matériel qui demande beaucoup d'énergie de dépenser mais mmh. euh, au contraire euh, on peut l'utiliser comme une fois on utilisait les briques normales euh, de donner une consistance mmh. euh, donc je, je pense que la brique c'est un des matériaux plus pauvres mmh. qu'il peut euh, s'y utiliser bien euh, résoudre beaucoup des problèmes énergétiques Énergie. aussi uh -huh. écologiques et d 이 n n é une b â t 트 m e n 트 qui a une 이 t r u c 이에 우리가 리움 박물관을 얘기를 할 때요. 리움 미술관의 경우 건물 1은 우리 건축가님이 지셨고요. 그다음에 건물 2는 유상베불란서 건축가가 했고요. 그다음에 건물 3그 삼성 아동 교육 문화 센터는 네덜란드 그 건축가인 램 쿨하스가 했는데요. 제가 알기에는 그래도 이렇게 세 분이 하셨더라도 뭔가 이렇게 좀세 분끼리 서로 조화를 이루도록 의견을 나누고 그러셨을 텐데요. 어떤 그 과정에서 어려움은 혹시 없으셨는지 에피소드 같은 거 있으면 얘기해 주실래요? 네. <목소리> du langage ah. différent okay. des trois architectes, okay. il existe. Mm -hmm. Mais euh, on a vu que si chacun il utilise son uh, langage de manière propre, mm -hmm. on peut enrichir l'ensemble. Okay. Donc oh, je peux dire que euh, c'était un exemple où euh, l'autonomie mm -hmm. d'expression des, des trois architectes on a trouvé espace pour euh, l'expression, pour la valorisation mm -hmm. des différents langages uh -huh. que chaque architecte il, euh, il maintient et qui re représente dans la... c'est une belle euh, expérience mm -hmm. de bâtir ensemble, comme on faisait dans l'antiquité. dans l'antiquité, on a toujours fait des bâtiments euh, liés par des temps historiques qui donnaient une stratification mm -hmm. qui euh, à la fin il devenait un euh, enrichissement euh, du bâti. C'est pas seulement un, mais il y a la pluralité des langages et de, des sensibilités différentes qui vont à enrichir euh, le bâtiment même. 어 이번에는 좀 개인적인 질문을 드리고 싶은데요. 우리 보타 건축가님께서는 그 건축가 로이스 칸하고 또 르코르뷔지에와의 관계를 많은 사람들이 얘기를 하고 있는데요. 특히 우리 건축가님이 생각하실 때이두 분과의 관계가 어떠셨는지 얘기를 좀 해주시면 감사할 것 같습니다. Alors, il, les deux personnages 음. duquel on a parlé 음. et, et le Corbusier et Louis Kahn uh -huh. uh, sont deux colonnes porteurs. de l'architecture du XXe siècle. On peut aimer ou pas aimer ce qu'on a fait, mais c'est un peu comme euh, pour la Einstein pour la physique. Oui, On doit passer à travers par, là, oui. par la par euh, ces expériences. Mm -hmm. Et le Corbusier je, je pense qu'il était un personnage extraordinaire puisque dans son aventure mm -hmm. Il, a, il était capable de transformer les problèmes de la vie, mm -hmm. la guerre, la, la, le besoin de habitat, euh, l'existence minimum pour euh, les, les, les problèmes écologiques mm -hmm. et interpréter les besoins de la vie. il a su les transformer en architecture. Mm -hmm. plus que des autres, il était il connaissait une sorte de thermomètre des changements et des besoins de la nouvelle technologie pour résoudre le problème qu'il y avait en ce moment-là. Donc, c'était une opération importante, puisqu'elle a transformé les changements de la société en changement de la manière de vivre. Et Louis Kahn, au contraire, c'était un peu plus tard. C'est lui qui l a posé les interrogat interrogatifs plus euh, aigus. Il mm -hmm. euh, a posé le problème de la mémoire du bâtiment, il mm -hmm. a posé le problème de la société de consommation, il a posé le problème de la vitesse, de la rapidité du transformation et il nous a mis en, en, en attention sur le fait que euh, la rapidité des transformations correspond aussi à, à, la, à, à la croissance euh, de, la, de la consommation. Alors euh, les, euh, Louis Kahn, il a posé sur la table de dessin euh, le fait que la mémoire n'est pas quelque chose qui appartient au passé. Mm -hmm. C'est quelque chose que les architectes ont besoin de se nourrir dans les projets et donc qui est une forme de spiritualité qui appartient à la loi de, du projet. Autone. 건축물을 설계하실 때요 가장 역점을 두는 부분은 어떤 건지요? 그리고 또 정말 세계에서 많은 그런 설계에 대한 그런 의뢰를 받으시고 계시는 걸 알고 있는데요. 건축가님이 아 이건 내가 해야 되겠다 하는 그런 선택의 기준이 뭔지 좀 궁금합니다. Uh -huh. Alors, oui. le, le projet nouveau, c'est une aventure qui nous interroge euh, constamment, oui. en, en permanence. Et, et donc, euh, la pluralité des, des offres qu'on a, mm -hmm. c'est la richesse de notre métier. Et donc, euh, à partir de là, euh, l'élément clé, c'est la situation du site, mm -hmm. c'est la géographie qui est toujours un unicum sur la croûte terrestre. Mm -hmm. Je dois faire une maison là, oui. dans cet endroit qu'il me demande le maître de l'ouvrage, et là je sais qu'il est une expérience unique mm -hmm. puisque c'est seulement dans ce point que j'ai une uh, alentour. Un paysage complètement différent dans l'univers entier. Mmh. Alors, c'est un pari qui nous amène à, à des surprises, puisqu'on rentre dans le mystère de l'univers. Je vous dis la, le, site, mmh. euh, le site, le site et le site. Il faut ré, ré, répéter trois fois mmh. qui sont les, les éléments importants. Mmh. Et en plus, euh, plus de ces conditions, mm -hmm. évidemment, le programme, euh, s'il s'agit d'une église, c'est un lieu de prière, mm -hmm. s'il s'agit d'une usine, d'un lieu de travail, s'il s'agit d'un habitat, euh, c'est la, la loi de, de la journée de 24 heures qui rythme la vie de l'homme. Et les musées, c'est encore une forme de spiritualité, mm -hmm. mais plus aiguë puisqu'on doit se confronter mm -hmm. avec des valeurs qui sont là. Et les, les musées, c'est une conquête qu'on a faite dans les derniers euh, demi-siècles qui est passé, et c'est un des thèmes de notre génération. 건축의 미래에 대해서 어떻게 생각하시는지 제가 진짜 지금 세계적인 건축에 거장하고 같을 수 있으니까 너무 궁금한데요. 그리고 앞으로 건축의 트렌드는 또 어떻게 될지 굉장히 궁금하고요. 그다음에 미래의 건축에는 어떤 것이 필요한지 또 여쭤보고 싶습니다. l v e n i r de l'architecture c'est assuré. C'est assuré p u i s q C'est un des, des animaux sur la terre qu'il bâtit lui-même son euh, protection, son euh, élément de travail, son euh, espace de, de la vie. Donc il ne faut pas à, avoir peur qu'il qu va disparaître, <laughs> oui. euh, mais qu'il restera un des données euh, de l'homme permanente on peut connaître l'homme si on connaît comment il vit mm -hmm. comment il s'organise euh, sa propre ville commune habitat commune qui c'est la ville mm -hmm. et donc euh, il restera dans le temple. et le jour qu'il n'y a plus l'homme il n'y a plus l'habitat okay. ça c'est les tendances mm -hmm. il varie hein, selon les modes selon la technologie Selon l'esprit, selon les besoins de la, euh, des, des sources énergétiques. Et ça, ils sont tous des instruments. Ce mm. ne sont pas les éléments centraux. Mm. Euh, il ne faut pas confondre les, les instruments qu'on utilise euh, des objectifs euh, finaux. Et ça, il, il se modifiera en continuation. Mm. Mais il ne faut pas avoir peur des modifications. Euh, des, des instruments mmh. et on cherchera les instruments les plus idonnés à, à, à la classification des, du temps historique mmh. qu'on est en train de vivre. Mmh. C'est pas, je suis pas <laughs> un, un endovine, mais c'est la, la force de la vie qui nous dira quoi faire. Mmh. Les besoins ils se modifient très rapidement, mmh. mais les raisons de la vie sont plus fortes de les raisons de la conservation. Et donc, il faut interpréter les nouveaux besoins de l'homme pour bâtir un espace qui est euh, idoine, qui est euh, satisfaisant pour. Les, les besoins que la société, va, à, 오래전부터 한국에 정말 여러 차례 이렇게 방문을 해 주셔서 너무너무 감사한데요. 이번 방문에서는 우리 건축가님께서 어떤 변화를 느끼셨는지 궁금해요. Donc uh, la Corée et il c e C'est incroyable euh, la Corée que j'ai vue il y a 40 ou 50 ans wow. passé oui. à la Corée d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, la Corée peut être lue comme un thermomètre des, tra des transformations qu'ils qu vont se suivre. Et la Corée, c'est un des, des pays qu'on doit... Regarder avec beaucoup d'attention pour la technologie, pour la, la croissance qu'il exprime dans les besoins de vivre et aussi pour les solutions qu'il indique euh, à travers euh, l'industrie et la technique. C'est la dernière question. Vous allez revenir quand en Corée? Euh,

Alors, merci à vous. Je tiens à vous remercier infiniment de votre mm. temps précieux. Oui. À bientôt! Merci.